Voilà le bébé, je l'ai reçu il y a quelques jours, je ne l'ai pas encore déballé, donc on va faire ça en direct. Alors, il s'agit d'un HP Corse fabriqué en Italie, en titane. Alors, voilà l'engin. Voilà la bête. J'espère que vous me voyez bien. Normalement, oui, c'est OK. Voilà, donc bon, il y a un look autrement plus agressif et plus, je trouve, qui change par rapport aux Acras et consorts. Voilà, donc maintenant, on va passer au montage. À tout de suite. Petit détail important, il y a beaucoup de silencieux qui sont vendus sans cette tubulure-là. Donc en fait, vous êtes obligé de couper le silencieux d'origine à cet endroit-là. Donc si jamais d'aventure vous vouliez remettre un jour l'origine, bah c'est mort quoi. Donc moi je privilégie toujours d'avoir le silencieux au complet. Voilà, pour pouvoir interchanger si besoin. Allez, c'est parti, on démonte. Bon, ça va, comme la moto est quasi neuve, je pense que tout va sortir plutôt facilement. C'est un bon point. On n'a plus qu'à le démancher. Normalement, il doit venir tout seul. Et c'est le cas. Et voilà. Alors. Bon, bah, je pense que ça va être rapide à mettre en œuvre, hein, cette histoire. N'y a plus qu'à récupérer ça. D'origine. Voilà, vous voyez, c'est ultra rapide. Ok. Oui, petit aparté hors échappement. Hier, on a fait une sortie à Segré avec les copains. Et à un moment donné, bah, je suis tombé, quoi. Et je voulais vous citer les parmains Epco Becker que j'ai payé quand même 130 euros et que j'estime un petit peu honteux de vendre une marque pareille. Il a carrément plié quoi, alors que je suis même pas tombé sur de la roche, hein, je suis tombé dans un talus quoi. Donc il est fossé ici, la peinture complètement explosée. Voilà, donc c'est ni fait ni à faire. Franchement, je ne conseille pas cette merde. Bon, voilà la bête montée. Ah, c'est plutôt sympa, hein. Plutôt sympa, beaucoup plus agressif que l'espèce de gamelle qu'il y a d'origine. Voilà. Un petit check déjà comme ça. Semble beaucoup plus rempli qu'avant, plus présent. Ça, cette protection carbone me fait un peu peur pour le chemin, parce que vu que je prends quand même pas mal de gamelles, à voir si je les retirerai pas pour les parties off-road. On va faire une petite comparaison avec le son par rapport à l'échappement d'origine de tout à l'heure. Donc j'ai gardé la même distance entre le téléphone et puis l'échappement pour que les valeurs soient identiques. On reprend sur le ralenti. Dans un premier temps.